Salut les amis, bienvenue sur Voyager Détente. Alors on poursuit un petit peu notre périple en Espagne avec notre arrivée sur Cadaqués. Alors comme je vous l'avais dit, lorsque vous allez sur Cadaqués, il faut mieux partir assez tôt parce que sinon les routes sont full, sont bloquées. C'est une horreur absolument incroyable. Quand on est reparti vers midi, c'était full. Donc vous allez voir, de toute façon à l'entrée de Cadaqués, il y a un parking. Bon, il est assez grand. Il est payant bien évidemment, mais il faut prier, il faut mettre un cierge, il faut mettre ce que vous voulez pour espérer qu'il y ait une place sur ce parking. Parce que sinon, dans la ville, c'est mort justement. C'est ce qui fait tout le charme de cette commune espagnole. C'est-à-dire que c'est une petite ville enclavée et c'est vraiment magnifique. Enfin, je vous montre comment aller au parking, un petit peu comment ça roule. Bon, c'est sûr que ça n'envoie pas du rêve cette vidéo, mais ça peut être utile parce que si vous tapez déjà une heure de route et que vous retapez encore une heure d'attente pour vous garer, ça vous plombe un petit peu votre séjour. Have you ever felt... Are you listening? Damn. Voilà les amis, petite vidéo, hein, toute simple, toute simplifiée, quoi, tu vois, où aller te garer quand tu vas à Cadaqués, voir un petit peu à quoi ça ressemble l'arrivée. Savoir que de toute façon c'est mort, hein, t'as un parking à l'entrée là où tu peux garer ta voiture, et puis sinon c'est à la Wallonienne à l'intérieur de Cadaqués, mais moi je le déconseille entièrement. La semaine prochaine, de toute manière, on va faire un petit tour sur le marché, je vais vous faire découvrir un petit peu les charmes de ce marché au niveau de la frontière espagnole, et puis dans tous les cas, je te dis abonne-toi à la chaîne, hein, tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout ce qui s'ensuit. Et puis à la prochaine sur Voyager Détente. Allez, ciao.